c'est pas terrible ça de me filmer dès le matin. Alors réveil de la quatrième étape. Et donc pour l'instant il pleut pas. Mais par contre cette nuit on a encore eu un peu froid. On est à côté d'une petite rivière, donc c'est agréable le bruit du ruisseau. Donc là en fait on commence à plus trop avoir d'eau, donc Pascal il a une gourde qui est capable de recycler, de filtrer l'eau des ruisseaux. Attends, je vais la récupérer si tu veux. Tac. Ah, le filtre. Voilà, le filtre. Voilà. Il met ça dans la poche et ensuite après il va remplir nos gourdes et on aura normalement de l'eau potable. Départ sous la neige, du coup le paysage est totalement différent, c'est magnifique. Là, on hésite entre deux sentiers, soit celui-là là-bas, ou alors celui-là. Donc heureusement qu'on a la carte parce qu'avec la neige, on voit zéro balisage. Donc je pense qu'il va y avoir une flèche jaune quelque part. Mais donc c'est bien celui-là qu'on va prendre. Je suis dans mon élément. Là, j'ai une douleur à la fesse droite. Je sais pas ce que Christelle m'a fait cette nuit. En tout cas, ça fait mal. La neige ne facilite pas l'étape, mais nous gardons la positive attitude. Yeah, choc, choc, choc. On l'a fait. Merde. C'est pas beau là? On est pas bien là? Là, on fait l'ascension du Mont Blanc. Tout va bien. Tout va bien. On dirait qu'on a fait ça toute notre vie. Allez, 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 Christelle. Allez, allez, allez. Levez les bras. Allez, 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 Christelle. Allez, Christelle. Allez, c'est bien. Allez, allez. Oh, tu peux le faire. Tu peux le faire. Putain. Putain, t'es derrière. Petite tempête de neige. Thank you.
Bon, ça va être un peu la surprise, la menu, du coup. Et j'espère le finir. Non, moi par contre, j'espère que tu le finisses pas. Une spécialité écossaise, on ne sait pas ce que c'est. Et pareil pour Christelle. Bon appétit. Au revoir Ricardo, et après il y a Christelle, et après il y a un randonneur anonyme. Can you not leave in? Ouais. Over the top, down the other side. 4 miles. Hey. 4 miles. 4 miles. Miles. Donc ça fait 6 kilometers. 6 days. Nice day. Ouais. Where have you come from? It's beautiful. France, Marseille. No, where today have you come from? Ici. Ski center? No? Bridge of Orky? Oui. Bridge of Orky? Oh, bridge of Orky, okay, ouais. Ouais, voilà. See you later, have a good one. Goodbye. Christelle et Ricardo n'ont pas tardé à arriver là. Je me repose un peu. Et après, on va finir. Je pense qu'on va finir notre partie de nuit là, parce qu'on est un peu à la bourre. C'est tout dans la tête. Elle a un mental d'acier, cette fille. Nous arrivons dans une forêt à 2-3 km de King Loch Leven. Nous
décidons de poser nos tentes le long du sentier. Ainsi s'achèvera notre étape du jour. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à la chaîne YouTube Marseille Provence Productions.